Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi pour ceux qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Bienvenue au APSACO, à la conférence Annual Peace and Security, African Peace and Security Annual Conference. Je m'appelle Omaira Issa. Je suis journaliste au Canadian Broadcasting Corporation, à CBC. C'est un grand, grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'être en compagnie de nos invités. Merci beaucoup, Policy Center for the New South, pour cette invitation. Et donc, au cours de la prochaine heure et demie, nous aurons le grand plaisir d'entendre nos invités parler donc sur ce thème COVID-19 and security in Africa, un thème extrêmement important et particulièrement sur le Global Peace Index. On va commencer par les propos de Monsieur Mohamed Saleh Anadif. Ensuite, nous aurons une présentation de Serge Strubant et ensuite, nous aurons une discussion avec Ramayad et Abdelhak Bassou. Je vais commencer par les présentations. On va commencer par celle de Mohamed Saleh Anadif. Monsieur Mohamed Saleh Anadif est le chef de la mission intégrée multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, une mission extrêmement importante. Il a également été ministre des Affaires étrangères du Tchad et au cours de sa carrière, Monsieur Anadif a participé à plusieurs processus de paix en Afrique, notamment au Niger, un pays dont je suis moi-même originaire, en République centrafricaine et au Soudan. Et donc, on a le grand, grand plaisir de l'accueillir. Et sans plus tarder, je lui passe la parole, Monsieur Anadif. Merci d'abord à toi-même, Madame Omaira Issa, professeur Strouban, ma chère sœur Ramayad, qui ne me connaît pas, mais moi que je connais très, très bien. C'est un plaisir de te regarder, de te voir encore toujours jeune. Monsieur Bassou, chers participants, chers amis, pour moi, c'est vrai, APSACO, c'est toute une histoire. J'ai eu à toujours à participer à ces conférences. Malheureusement, comme vous le savez tous, la situation que nous vivons nous oblige à utiliser les moyens de bord. Pour moi, qui suis ingénieur de télécom avant d'embrasser les autres branches de ma carrière, je suis fier que la technologie puisse nous permettre de faire ce travail. Je me réjouis également de dire que le travail qui est fait par cet institut au niveau de l'indice pour la paix, je crois que c'est un indicateur extrêmement important. Et j'avoue que je me familiarise maintenant seulement à ce Global Peace Index, qui fait ce lien avec la paix. Et pour moi, qui depuis pratiquement plusieurs années, je me consacre effectivement pour la paix en Afrique. Vous l'avez dit, j'ai participé à pas mal de conférences au niveau de la sous-région. Avant de venir ici, j'étais en Somalie, une mission de l'Union africaine, c'est également à la recherche de la paix. Je suis ici au Mali. Je suis bien placé pour dire qu'effectivement, ces indices sont des indicateurs importants pour nous. J'ai vu au Mali, nous vivons une crise sécuritaire, nous vivons une crise économique, et la crise introduite par COVID est venue encore aggraver la situation déjà précaire des Maliennes et des Maliens
mais des sahéliens de façon générale dont je suis d'ailleurs. Analyser l'impact du COVID au niveau du Mali, au niveau du Sahel, c'est vrai qu'au départ, on nous a dit que compte tenu de nos moyens rudimentaires, compte tenu de nos infrastructures sanitaires assez inexistantes pratiquement, on avait eu réellement des alertes qui nous ont fait peur. Mais à la pratique, et je le constate, et je crois que même l'OMS vient de le reconnaître, qu'au niveau africain, jusqu'à là, sans savoir exactement la cause, et si je prends seulement le cas du Mali où je suis, COVID au niveau des atteints, de ceux qui sont atteints par ce virus, jusqu'à là, nous tournons autour de 3000 depuis le mois de mars. Nous n'avons que 130 décès, ce qui donne un taux de guérison qui avoisine les 80%, ce qui est une bonne performance d'après les données de l'OMS. Même si je prends l'Afrique globalement, c'est vrai qu'il y a des poches, Afrique du Sud, un peu le Maghreb, l'Égypte, le Sénégal de l'autre côté, mais de façon générale, la catastrophe qui était prévue n'est pas au rendez-vous et ce qui est une très bonne chose. Maintenant, il nous faut peut-être savoir pourquoi, mais moi qui suis ici, je reconnais que les gens ne le mettent pas trop en exergue, mais beaucoup d'efforts ont été faits au niveau local. La sensibilisation a été bien menée, les populations ont pris conscience ou ont eu peur. Ça a été fait, mais je sais que ça a des répercussions sur les populations vulnérables qui jusqu'à là vivaient du secteur informel. Et avec l'arrivée du COVID, il y a énormément d'interdictions, énormément de mesures qui ont fait que la situation s'est encore précarisée. Et pour le cas du Mali, vous savez, il y a eu un changement des régimes depuis le 18 août, on peut appeler que c'est un coup d'État. Avec ce changement institutionnel, la CEDEAO a pris un certain nombre de mesures, pratiquement un blocus aérien. Aujourd'hui, aucun avion ne part et ne vient d'un pays membre de la CEDEAO à Bamako. Tous les produits, les transactions bancaires ont été pratiquement bloqués. Il n'y a pas d'avion. Ça a encore beaucoup compliqué la situation, qui était déjà compliquée. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la cérémonie d'investiture d'un nouveau président de la transition. La CEDEAO était présente. Elle va examiner bientôt les sanctions et on espère que ça sera levé pour que le Mali puisse au moins retrouver un peu de sérénité et se consacrer un peu à la lutte contre le terrorisme et les autres fléaux. Donc pour moi, c'est un plaisir de vous rencontrer, de participer à cette présentation surtout qui va suivre et qui va porter sur le Global Peace Index. Je suis curieux de savoir un peu comment se présente l'Afrique. Mais je vous dis que tout simplement que le monde a besoin de paix, le monde a besoin de sécurité, de stabilité. L'Afrique, plus que tous les autres continents, en a besoin. Et la solidarité de nos partenaires est plus que souhaitée. Et pour moi qui parle en tant que représentant des Nations Unies au Mali, je sais ce que ça veut dire. Et je ne peux que souhaiter que l'échange puisse être le plus fructueux possible. Et avec ce que nous avons sur le panel, j'espère que des idées précieuses vont être récoltées. Et en tout cas, je ne peux que dire une fois de plus merci à l'APSACO de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir que je vais suivre les interventions qui vont suivre. Je vous remercie.
micro. Micro. Oui, ouais, c'est bon. Comme vous disiez, Monsieur Anadif, en effet, c'est question de technologie. Merci énormément pour votre présentation qui place donc la table sur ces questions-là. À présent, nous allons passer à une présentation du professeur Serge Strubant. Il est le directeur pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord pour l'Institute for Economics and Peace. Il va nous faire une présentation très importante sur le Global Peace Index. Alors, à vous la parole, Monsieur Strubant. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Bonjour de Bruxelles. C'est vraiment un plaisir, un honneur aujourd'hui d'être parmi vous. Et merci au Policy Center for the New South et à tous les panélistes qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette présentation du Global Peace Index. C'est vraiment un plaisir. Je vais partager mon écran. J'ai une présentation PowerPoint qui va me permettre de vous montrer les résultats du Global Peace Index. Voilà, nous sommes partis. Donc, l'Institute for Economics and Peace que je représente travaille de manière générale avec des grandes organisations internationales, des gouvernements. Beaucoup de notre travail est utilisé au niveau de cursus universitaires. Et comme vous pouvez le voir, à côté de la recherche que nous produisons chaque année, nous faisons aussi un grand, grand effort de pénétration médiatique pour être sûr qu'une grande population, un grand nombre de personnes puissent avoir accès aux résultats de nos recherches. Et comme il a été dit dans la première présentation, c'est vraiment important que les gens soient informés du résultat de nos recherches et des actions à prendre pour créer la paix dans le monde. Chaque année, nous publions plus ou moins 10 rapports. Nous avons 4 grands rapports qui parlent de paix négative, qui est l'index global de paix, de paix positive. Nous quantifions aussi le coût de la violence qui est généré par le manque de paix dont nous faisons état dans nos différents index. Nous publions aussi des index de paix nationaux, par exemple pour le Mexique ou l'Allemagne cette année. Et nous venons juste de publier, à plus ou moins 2 semaines, un registre de menaces écologiques qui sera aussi intégré dans cette présentation. Donc voilà en fait les 3 documents qui servent à la présentation d'aujourd'hui. Donc un grand focus sur l'index global de paix, aussi sur une publication que nous avons publiée au même moment que cet index. C'est une publication sur la relation entre le COVID-19 et la paix. Et comme je viens de le dire, il y a 2 semaines, un registre de menaces écologiques qui met en rapport les menaces écologiques renforcées par le changement climatique et la résilience des pays à prendre en compte l'effet de ces menaces. Donc, notre centre de recherche, Think Tank, est australien, basé à Sydney, en Australie. Et nous avons des bureaux qui sont distribués dans le monde entier. Donc, partant de Bruxelles et La Haye, ici en Europe, avec New York, Mexico City, une représentation maintenant même à Sao Paulo, au Brésil, pour les Amériques, et Harare, sur la partie plus australe de l'Afrique. C'est la 14e édition de cet index global de paix. Nous couvrons 163 pays, ou quasi 100% de la population mondiale. On utilise 23 indicateurs dont je vais vous parler plus tard, et nous faisons cet index nous-mêmes, effectivement guidé par un panel d'experts internationaux. Donc, 23 indicateurs en 3 familles. La première famille, 6 mesures d'implication dans les conflits aussi bien internationaux que dans les conflits domestiques ou internes. Nous avons 10 mesures de, je dirais, sécurité sociétale, donc vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nos sociétés, et 7 mesures de militarisation. Ces 7 mesures, il y en a 6 qui vont vraiment regarder l'outil militaire, les imports-exports d'armes et le pourcentage du produit national brut dédié à la défense, mais aussi un index positif qui fera plaisir à quelqu'un ici dans le panel, et c'est effectivement les investissements qui sont faits dans les missions de la paix des Nations Unies. Donc, regardons les résultats principaux. Donc, pour chacun de nos index, nous publions aussi sur notre site visionofhumanity.org des cartes interactives comme celle-ci qui vous permettent d'un premier coup d'œil d'identifier les pays les plus touchés par la violence, effectivement les pays en rouge ou les zones en rouge-orange, et les pays les moins touchés, effectivement ceux ayant en vert. Mais il est aussi possible de vraiment aller cliquer sur chacun de ces pays, avoir un accès direct à toutes les données relatives à ce pays, aussi bien par famille d'indicateurs pour l'index global que pour chaque indicateur en particulier.
Donc, l'année passée, nous avons constaté une diminution de la paix de 0,34%. En fait, c'est juste un chiffre. Il faut comprendre que dans les 12 dernières années, nous avons vu 9 baisses de niveau de paix et seulement 3 augmentations de niveau de paix. Vraiment, mais ces augmentations étant minimes. Vous allez voir une figure qui va représenter ça dans quelques instants. Donc, on a vu qu'il y a plus ou moins le même nombre de pays qui sont devenus plus pacifiques et ou moins pacifiques. On se rend compte que les augmentations des niveaux de paix, donc les améliorations, viennent surtout d'une diminution de l'impact du terrorisme. Ça, effectivement, au niveau global, on a vu l'année passée une diminution de l'impact de près de 75%. Effectivement, au niveau régional ou même au niveau national, on peut voir qu'il y a d'autres mouvements qui se mettent en place. Au niveau global, moins 75%. On a vu le nombre d'homicides au niveau global diminuer et on a aussi vu une diminution de l'import-export d'armement. Maintenant, les détériorations des niveaux de paix au niveau de l'index global de paix viennent surtout du nombre de réfugiés et de personnes déplacées. Donc, on a vraiment vu cette augmentation de 60 à 70 millions de personnes pour des raisons bien différentes, mais on peut dire qu'il y a une distribution de plus ou moins 60% de réfugiés et de personnes déplacées par les désastres naturels et 40% par les conflits. On a aussi vu que la terreur politique est de plus en plus utilisée dans de plus en plus de pays. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et on a aussi surtout vu que l'intensité des conflits internes a augmenté l'année passée. Donc, l'Islande est le pays le plus pacifique, a toujours été au sommet de notre index global de paix. Maintenant, quand on voit leur géolocalisation, on peut se dire qu'il y a quand même certains impacts qui ne sont pas présents dans cette partie du monde que l'on retrouve dans d'autres parties du monde. On a vu effectivement, sur les données de 2019 pour créer cet annexe en 2020, que c'est aussi bien l'Azerbaïdjan que l'Arménie qui avaient un accord de paix l'année passée ont vu la plus haute augmentation de leur niveau de paix. Maintenant, quand on voit les évolutions des derniers mois, on peut se rendre compte que pour le prochain index global de paix, ce ne sont vraiment pas ces deux pays-là qui seront de nouveau mis à l'affiche. La conséquence de ça, c'est que la région Russie et Eurasie voit aussi son niveau augmenter. Il faut faire attention, là, on voit effectivement qu'il y a des niveaux qui augmentent. C'est là pour ça que la classification va augmenter. Par exemple, des pays comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie se retrouvent toujours entre la 100e et la 140e place de l'index sur 163. Donc, on voit une augmentation, mais ça reste quand même encore toujours assez fragile. On voit aussi que l'Europe reste la région la plus pacifique, mais on voit par contre qu'une certaine instabilité politique et certains changements négatifs, et ceci de manière structurelle, sur presque une décennie, on se rend compte que même en Europe, les niveaux de paix sont en train de diminuer. Je pense que ce qui est surtout important pour l'Europe et surtout pour sa politique étrangère, c'est de voir qu'elle est entourée de régions qui ne sont pas aussi pacifiques et surtout des régions qui sont touchées par pas mal de facteurs qui influencent la paix et la sécurité. Quand on prend l'inverse, quand on va regarder sur le bas de notre index, on se rend compte que l'Afghanistan reste le pays le moins pacifique au monde. Et quand on regarde une autre de nos publications, l'index global du terrorisme, qui regarde l'impact global du terrorisme chaque année, publication vers la fin du mois de novembre, on se rend compte que l'année passée, l'Afghanistan était premier à cet index, donc le plus grand impact du terrorisme, avec 2 des 4 groupes terroristes les plus actifs dans ce pays. Et on se rend compte que c'est la première fois que l'Afghanistan était là, vraiment détrôné, si je peux utiliser cette image, l'Irak qui avait été au sommet de l'index global du terrorisme pendant plus d'une décennie. On se rend compte que les détériorations en paix les plus importantes sont au Bénin, qui rentre dans un système de déstabilisation et qui est quasiment la prochaine victime de ce fléau avançant de violence extrême, plus aussi une déstabilisation interne au niveau de élections qui ont été organisées. Nicaragua, là on voit chaque année, que ce soit l'Honduras, l'El Salvador, le Nicaragua, les pays d'Asie, d'Amérique centrale, qui voient une détérioration quand même assez forte sur pas mal d'indicateurs de notre index. Quand on regarde au niveau des régions, on se rend compte que depuis plusieurs années maintenant, là, aussi bien l'Amérique centrale, mais aussi l'Amérique du Sud, sont les deux régions qui sont en train de détériorer le plus rapidement leur niveau de paix. La région MENA, donc le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, reste encore toujours la région la moins pacifique. Par contre, on a vu que certains des conflits qui font rage, en l'occurrence la Syrie et l'Irak, ont vu une amélioration, et surtout par le nombre de terrorisme et ces conflits internes. Donc voilà le top 10 de l'index. Donc on retrouve l'Islande et la Nouvelle-Zélande, vraiment ces deux États insulaires, toujours au sommet d'autres index. On retrouve après ça
pas mal de pays européens, mais surtout des démocraties, des pays assez réduits en population et en superficie, et pour la plupart, évidemment, il y a toujours des exceptions qui vont confirmer la règle, mais surtout des démocraties libérales, des pays pas trop grands et pas trop de, je dirais, d'impact stratégique à fournir. Donc ça, c'est vraiment le top de l'index. Effectivement, quand vous regardez les 10 derniers pays de l'index, on retrouve effectivement des pays en conflit, des conflits qui durent, des conflits qui, pour la plupart, étaient des conflits internes qui se sont internationalisés et pour ça aussi sont devenus plus intenses et durent plus longtemps. Ce qu'on a remarqué aussi sur la dernière décennie, c'est quand même une fragmentation des conflits et on a aussi vu une évolution par rapport aux acteurs dans ces conflits où on a évolué vraiment de conflits interétatiques ou bien où deux acteurs étatiques s'opposaient vers une première évolution où un acteur étatique s'opposait à un acteur non étatique. Et on se rend compte maintenant que dans beaucoup de ces conflits, deux acteurs ou plusieurs acteurs non étatiques se font face, alors que l'acteur étatique n'a plus le pouvoir de gérer la situation dans le pays. Donc c'est aussi une évolution quand même assez négative. Quand on ouvre la fenêtre de temps sur 10 ou 12 ans, comme je vous ai dit, sur les 12 dernières années, on a vu seulement 3 augmentations des niveaux de paix et 2 de ces 3 étaient vraiment minimes. Et donc ceci nous montre en fait que sur une période de 12 ans, de 2008 à 2020, on a eu en moyenne une diminution de paix de près de 2,5%. Alors, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'effectivement, le même nombre de pays sont devenus plus ou moins pacifiques. Par contre, on voit que l'augmentation en paix, donc les pourcentages qui font monter les niveaux de paix, sont quand même beaucoup plus petits que les détériorations. Donc, on voit que les pays qui sont au-dessus, donc sur le dessus du classement, vont continuer à améliorer leur niveau de paix, mais seulement par des petits morceaux de pourcents. C'est vraiment difficile d'aller chercher la marche suivante pour monter au niveau pour monter le niveau de paix. Par contre, une fois qu'on commence à glisser dans la violence ou qu'on commence à glisser vraiment vers les conflits, là, les détériorations se font beaucoup plus rapidement avec des doubles chiffres, 10, 12, 13, 14, 15% par année de détérioration des niveaux de paix. Donc, ceci amène aussi à ce graphe-ci où on voit ce gouffre qui est en train de se créer et qui devient de plus en plus important entre les pays les moins pacifiques au monde et les pays les plus pacifiques au monde. Et donc, ça, c'est vraiment une tendance qu'on a remarquée sur la dernière décennie. Alors, cette année, on a quand même un point ou une analyse qui est spécifique, qui va regarder ce qu'on pourrait appeler, effectivement en anglais, « civil unrest », et en français, on pourrait appeler ça les troubles, l'agitation, le désordre civil. Donc, c'est en fait un genre de violence dans nos propres sociétés par rapport à la situation dans laquelle cette société se trouve, et effectivement, les efforts du gouvernement pour en prendre compte. Donc, on s'est rendu compte que globalement, quand on prend ces troubles civils, on a vu une augmentation de 244%, donc plus de 2,5 fois le nombre, sur les 10 dernières années. Et effectivement, pour certains éléments de ces troubles civils, vraiment des augmentations à plus de 800% pour les grèves générales. Maintenant, ça, c'est un chiffre global. Quand on va regarder à ce niveau-là l'Afrique, on voit effectivement que le chiffre pour l'Afrique est plus de 600%. Et certainement, quand on rentre dans le détail des régions, on voit vraiment des chiffres complètement différents. Est-ce qu'on se rend compte aussi que la plupart maintenant de ces manifestations, de ces troubles civils, tournent généralement à la violence. Et donc, on a une situation dans laquelle on voit effectivement que l'Europe fait face au plus grand nombre de ces troubles civils, mais la majorité de ces troubles civils ne sont pas violents. Seulement 35% tournent à la violence. Ces chiffres-là sont complètement différents dans le reste du monde, en l'occurrence en Afrique. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, la crise économique dans laquelle nous nous trouvons à l'instant ne va faire qu'exacerber ces différents griefs socio-économiques qui ont mené à cette augmentation sur la dernière décennie des troubles civils. Et donc, on peut s'attendre, et je pense que ceci a été lancé au mois de juin, on a déjà plus ou moins 2 ou 3 mois en plus par rapport à la date de lancement de l'index, et on a vu dans les 3 mois qui viennent de se passer, effectivement, une recrudescence du nombre de troubles civils, de manifestations, et aussi une recrudescence du caractère violent de ces troubles sourds les 3 derniers mois, et c'est vraiment une tendance qui va continuer dans l'avenir. Maintenant, ce qu'on fait pour chaque index global de paix, on chiffre aussi le coût de la violence. Ceci est une approche statistique, ce n'est pas le coût exact de la violence. On dirait même, à partir de l'Institute for Economics and Peace, que ceci est quand même assez très conservatif comme chiffre. La réalité est peut-être proche du double.
Et donc, on estime, de manière statistique, que le coût de la violence l'année passée était de 14,5 billions de dollars, ce qui représente plus ou moins entre presque 11% du produit national brut global, donc mondial, ou plus ou moins 2 000 $ par personne. Alors, vous voyez ce chiffre, c'est quand même un chiffre très important. Et imaginez juste si on pouvait déduire de ce chiffre juste 1% ou 10%. 1% de ce chiffre représente le budget global d'aide au développement. 10% représente le budget global des investissements étrangers directs dans les pays qui en ont besoin. Donc, imaginez juste ce que 1% de diminution ou 10% pourrait faire. On a lancé ce registre de menaces écologiques il y a plus ou moins 2 semaines, et donc on parle du changement climatique, on parle de ses effets, et dans plusieurs des webinaires ou des conférences, on a aussi essayé de chiffrer cet impact du changement climatique. Et la première action que j'ai toujours eue, c'est de dire, regardez ce chiffre-là, il y a de l'argent à aller prendre à ce niveau-là pour investir dans les choses qui sont vraiment, vraiment nécessaires. Quand on parle de violence en Afrique, on a fourni pour la PNUD une étude qui va aussi définir le coût de la violence extrême. Donc vraiment, les organisations terroristes, la violence extrême, ceci a un coût. Et on se rend compte, on a fait ça pour 18 pays africains qui sont touchés par ce mal, et on se rend compte que dans beaucoup de ces pays, plus ou moins 30 ou 40% du produit national brut est investi dans la violence ou dans la gestion de la violence. Et donc, on se rend très bien compte que tout cet argent qui part à la violence ne peut pas être investi dans l'effort socio-économique ou dans l'effort du combat contre le changement climatique. Ça, c'est une distribution de ce coût de la violence ou de ce budget violence, pour l'appeler comme ça. On se rend compte que 75 à 80% des investissements sont faits dans la prévention de la violence. Donc, dans l'outil militaire, dans l'outil de sécurité interne, avec des compagnies de sécurité privées. Et on se rend compte que plus ou moins 20% sont l'effet direct de la violence. Donc, les homicides, les suicides, qui sont quand même encore une terminaison violente de la vie, le conflit, le crime violent et d'autres aspects. Maintenant, un focus sur cette publication COVID-19 et la paix. Donc, effectivement, on s'est rendu compte, certainement en Europe et dans d'autres parties du monde occidental, que les grands centres aéroportuaires étaient effectivement propices à la distribution, à la dispersion du virus. Et donc, on voit que dans les pays, par exemple les États-Unis avec New York, où vous avez deux à trois grands aéroports internationaux, même un pays comme la Belgique avec Bruxelles, qui est quand même une plaque tournante entre plusieurs continents, ou l'Italie ou l'Espagne, mais on se rend compte qu'effectivement, ces mouvements aériens et ces grandes zones aéroportuaires ont participé à la génération de la contamination. On s'attend à l'Institute for Economic Science que la majorité de nos indicateurs, aussi bien pour la paix négative, donc cette absence de violence ou de peur de la violence qui est mesurée dans l'index global de paix, que notre vision sur le futur qu'on appelle la paix positive, qui sont les attitudes, les institutions, les processus à mettre en place pour créer, gérer et développer la paix et en prendre les bénéfices économiques, sociaux, de gouvernance, mais aussi les bénéfices écologiques, on se rend compte que la plupart de ces indicateurs vont être à la baisse ou vont être impactés négativement dans l'avenir. Il y a quand même un point lumineux, là. On se rend compte effectivement aussi que si le potentiel économique est en diminution constante, l'investissement qui sera fait dans l'outil militaire pourrait être moindre. Maintenant, il y a aussi un revers de cette médaille. On s'attend aussi à voir les investissements dans l'aide au développement international diminuer aussi du fait de voir tous ces milliards pompés dans l'économie et la propre économie, qui ne seront peut-être pas redirigés vers des pays qui en ont besoin. On a aussi vu que certaines formes de violence étaient en déclin, certainement pour les pays qui étaient en lockdown où effectivement le contact entre personnes était presque plus possible. Par contre, on a vu aussi dans ce même pays que les violences domestiques, les suicides ou les problèmes de santé mentale, eux, étaient à la hausse. On se rend aussi compte que les tensions entre les États-Unis, la Chine ou enfin les grands acteurs mondiaux, ce changement du multilatéralisme vers une forme de réalisme ou de néo-réalisme, clairement, on passe d'un monde basé sur la collaboration un monde basé sur la compétition, mais on se rend compte effectivement aussi que quand on a une pandémie comme le COVID-19, quand on est dans un monde compétitif, ceci n'aide pas à régler la situation ou va même l'accélérer. On se rend compte aussi
que dans les continents nord-américains et l'Europe, on peut voir un certain nombre de, une augmentation de l'instabilité politique générée par ces différents facteurs influençant la paix et la sécurité. Donc, j'ai parlé effectivement de la Chine et des États-Unis et de ce shift au niveau de l'ordre mondial. J'ai déjà parlé de moins d'investissement dans l'aide économique internationale. On peut aussi s'attendre, et ça c'est vraiment une tendance qui va être cassée, à voir moins d'investissement dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies, parce qu'effectivement, ben, les moyens ne sont plus là pour le faire. Et on se rend effectivement compte que les pays ayant une cote de crédit assez basse n'auront pas la capacité d'aller emprunter de l'argent sur le marché international et donc seront impactés beaucoup plus fortement par la partie économique de cette pandémie et auront besoin de plus de temps pour sortir de ces problèmes économiques. Et donc, ceci pourrait générer effectivement des désordres civils plus fréquents et plus importants et plus violents. Donc, on a effectivement essayé de faire un classement des pays qui seront le plus ou moins impactés par la pandémie. Donc, on met en relation les niveaux de résilience qui sont repris par notre système de paix positif, plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Et on cadre ça avec les préconditions économiques qui sont effectivement la masse de la dette qui pèse sur les pays, le taux de chômage avant la pandémie. On va aussi regarder quel est le lien de l'économie avec l'import-export. Et on va mettre comme quatrième préconisation économique le pourcentage de taxes dans le produit national brut. Et ceci vous donne effectivement une distribution comme celle-ci allant du bleu qui est très bien vers le rouge qui est le plus impacté. Et ce qui me fait peur quand je regarde le rouge, c'est quand même de voir deux puissances régionales qui vont être quand même assez fortement impactées par l'impact économique et l'impact social du COVID-19. Ceci vous montre effectivement les crises économiques que l'on a connues par le passé. Là, la solution quasi miracle, c'était de jouer avec la variable taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt-là n'existait pas, on était vraiment à un niveau très bas, à plus ou moins 1,5% juste avant la pandémie. Donc, ça, c'est une variable qu'on ne peut plus utiliser. Donc, la seule solution pour sauver les économies, c'est de pomper un maximum d'argent, de liquidité dans cette économie. Et ceci va être pris de budget qui pourrait être en diminution pour l'aide au développement et pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Dernier point sur cet index, sur ce registre de menaces écologiques. Donc, c'est la première fois qu'on sort sur ce registre. On couvre 157 pays ou 97% de la population mondiale. Et ce qu'on fait, on a pris 8 indicateurs ou 8 zones, 2 clusters. On va garder la sécurité hydrique, la sécurité alimentaire, et on va coupler ça au développement de la population. Donc, ça, c'est un cluster. Et l'autre, c'est vraiment lié aux désastres naturels. On peut regarder les inondations, la montée de la température, la montée des océans, les sécheresses, le nombre de cyclones. Donc, ça, deux clusters. On va remettre ça en face de la résilience des pays. Et donc, on va voir quels sont les pays qui ont le plus grand impact ou qui sont le plus exposés à ces menaces écologiques renforcées par le changement climatique. Et quelle est leur résilience pour prendre ceci en compte. C'est une projection qui va jusque 2050. On s'est rendu compte sur les 40 dernières années que le nombre de désastres naturels a quadruplé. Donc ça, c'est quand même une première donnée. On se rend quand même compte là, des effets du changement climatique. On fait de plus en plus face à des désastres naturels qui ont de plus en plus un impact important. Voilà, alors quelques résultats. Je termine en vitesse. 141 pays connaissent au moins un des 8 impact écologique, donc il n'y a que 16 pays qui ne sont pas touchés par des menaces écologiques. On se rend compte que 19 pays qui sont le plus exposés aux menaces écologiques, ça représente 2,1 milliards de personnes, et on se rend compte que 10 de ces 19 pays se retrouvent aussi dans le bas de l'index global de paix, une claire corrélation là, entre un impact écologique et l'utilisation de la violence ou la détérioration de systèmes qui amènent la violence. On se rend compte effectivement que l'impact écologique à terme va toucher quand même une grande population, presque 2/3 de la population vers 2050. Et on se rend compte, quand on regarde les 31 pays touchés par un haut impact, une haute exposition à ces menaces écologiques et une résilience qui est très basse, on retrouve 3 zones sur la carte du monde. On retrouve effectivement la bande sahélienne, allant de Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique en Somalie, et même on peut ajouter le Yémen. Un peu plus bas en Afrique, on trouve quand même 2 bandes en Afrique qui sont le plus touchées.
une bande plus australe de l'Angola vers le Mozambique et le Madagascar, et une troisième bande démarrant en Syrie, au Moyen-Orient, et allant jusque à l'Asie centrale ou l'Asie du Sud, des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Donc, ces trois zones-là seront le plus touchées par ces phénomènes-là. D'un autre côté, on se rend compte, quand on regarde les récipiendaires d'aide internationale pour le climat, eh bien, de 22 pays les plus touchés, il n'y en a que deux qui sont dans le top 10 des récipiendaires d'aide internationale pour le climat. Donc, on se rend compte qu'il y a une différence là, entre les besoins réels et l'aide qui est apportée. On peut effectivement, quand on regarde ces 31 pays, ben, ces 31 pays aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de gens qui habitent là. Si tout ça se met en route, et c'est déjà occupé maintenant, donc ça va s'accélérer, ça va s'aggraver, on peut dire qu'il y a un risque pour ces gens-là de devoir, à un certain moment, se déplacer. Donc, on ne dit pas à l'Institute for Economics and Peace qu'il va y avoir une migration d'1,2 milliard de personnes. On dit juste que ben, les populations de ces 31 pays-là pourraient voir tout le système de leur pays tomber en ruine et prendre de plein de force les menaces écologiques auxquelles ils seront exposés. Donc, ceci, effectivement, vous montre une distribution de ces menaces écologiques. Ceci vous montre effectivement que plus de 2 milliards de personnes vivent dans 19 pays qui ont au moins 4 des 8, qui sont impactés par au moins 4 des 8 facteurs que nous avons analysés. Et ceci vous montre effectivement la corrélation entre l'impact des menaces et le niveau de résilience. Et vous retrouvez les trois bandes dont je vous avais parlé précédemment. Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté la présentation des résultats de nos recherches. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site. Toutes les recherches que nous produisons sont accessibles en source ouverte, donc n'hésitez pas à venir les chercher et à en profiter. Et je vous remercie surtout pour l'occasion que vous avez donnée à l'Institute for Economics and Peace de présenter le résultat de ces recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Strouwens, pour cette présentation. Je retiens plusieurs éléments dans cette ecological threat. Alors, à présent, nous allons passer à une discussion, dans une certaine mesure, qui sera une discussion-réaction. Donc, à cette présentation au Global Peace Index, donc, qui rentrera un peu dans la lignée de cette conversation déjà entamée. Pour cette discussion, nous avons le grand plaisir d'avoir deux personnes. Je commencerai par Madame Ramayad. Madame Ramayad est Senior Fellow au Atlantic Council. Elle a été secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme en France. Elle a également été secrétaire d'État chargée des sports, puis ambassadrice de la France à l'UNESCO. Monsieur Abdelhak Bassou est Senior Fellow au Policy Center for the New South. Il a occupé plusieurs postes au sein de la Direction générale de la sécurité nationale marocaine, où il était chef de la division des frontières. Il a également été directeur de l'Institut royal de police. Alors, on va passer à une discussion. Peut-être avant cette discussion-là, je donnerai la parole à Monsieur Bassou pour dire quelques mots, donc avant même qu'on commence cette conversation et les questions. Merci, Madame Omeyra. Merci. Monsieur Nadif et à Monsieur Serge donc pour déjà leur présentation et les informations qu'ils nous ont données. Je voudrais juste vous dire que pour ma discussion, c'est ce qui m'interpelle et je crois doit interpeller tous les Africains à la lecture de cet index, c'est la position de l'Afrique en contre-performance et en performance. Et donc, c'est surtout sur ce côté-là, c'est ce côté-là qui m'interpelle et sur ce côté-là que je voudrais intervenir avec ce côté précarité et des contradictions, la complexité, les incertitudes qu'il y a sur le continent africain d'après les informations que nous avons recueillies sur le Global Peace Index.
Sur la COVID, on parlera peut-être aussi, mais personnellement, je crois que pour l'Afrique, ce n'est pas encore le moment de parler de COVID. Il faut attendre encore un petit peu. Merci. Merci à vous. Je passerai la parole donc à Madame Yad. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation dans le cadre de l'événement APTACO. En remarque préliminaire, c'est ce que je pourrais dire, c'est que c'est réagir finalement au rapport qui vient d'être présenté par M. Serge Trouban avec cet index pour la paix. Ce qui me frappe, c'est que la paix est devenue quelque chose d'assez démodé. Ce n'est pas l'objectif de la diplomatie ces dernières années, ces dernières décennies, disons, depuis la chute du mur de Berlin, puisque la diplomatie a pour objectif depuis la promotion des investissements économiques dans le cadre de la mondialisation économique. On va vous parler du numérique avec la diplomatie numérique. On va multiplier les sommets sur le climat. On va bâtir les relations internationales et les relations entre États sur la diversité culturelle. Mais la paix, c'est plus rare. Comme si, effectivement, on avait atteint ce qu'on avait appelé à un moment la fin de l'histoire. Pourtant, la paix, c'est l'objectif premier dans les relations entre États. Les conflits meurtriers demeurent en plus. L'index l'explique très bien. Prenons le cas de l'Afrique. On parle beaucoup du Sahel et il y a des raisons de parler du Sahel qui impliquent des pays, du Mali au Niger, Burkina Faso. Tout ça nous amène d'ailleurs jusqu'au Nigeria. Mais il faut aussi ne pas oublier certaines guerres qui impliquent des déplacements de populations très importants. Au Cameroun, la crise anglophone fait que dans les zones anglophones, il y a 530 000 personnes déplacées. En RDC, en 2018, il y a quand même eu des centaines de milliers de réfugiés qui sont partis en Ouganda. En République centrafricaine, vous avez 4,5 millions d'habitants, mais vous avez 3 millions d'habitants qui ont besoin d'aide humanitaire urgente, sans parler du Burundi, etc. Donc, ce n'est pas parce que l'Europe et l'Amérique ne sont plus en guerre, que la guerre est finie dans le monde. Et ce qui se traite d'une vision ethnocentrée, voire fallacieuse, puisque d'ailleurs, le rapport pointe aussi l'existence de conflits sur le sol européen. Et donc là, bon, on verra plus tard, mais moi, je ferai un lien direct avec, un peu plus tard dans la discussion, avec la crise du multilatéralisme. Merci beaucoup, Madame Yad, ce qui me permet également de poser donc une question sur quelles pourraient être des pistes de solutions, surtout quand on parle de l'insécurité et la crise sécuritaire en Afrique. Cette question-là sera dirigée vers Monsieur Bassou. Quelles seraient les solutions? Je crois que c'est très difficile. Je vois mal comment je vais en parler en la présence de M. Nadif, lui, qui fait l'expérience sur le terrain. Mais je crois que ces questions, d'abord d'insécurité, je parlerai également sous le contrôle de M. Nadif. Et je crois que dans ces régions africaines, la communauté internationale et l'Union africaine et les communautés économiques régionales font beaucoup, mais je crois malheureusement qu'ils font beaucoup pour traiter des symptômes et non pas les maladies. Ce qui vient de se passer au Mali, un pays qui a son quatrième coup d'État, qui juste en 2012 avait déjà un coup d'État. On est revenu et je ne crois pas que ce coup d'État soit le dernier au Mali.
Monsieur Nadif a parlé également de la CEDEAO qui est au chevet du Mali. Or, il y a des problèmes même chez ceux qui viennent au chevet du Mali. N'oublions pas qu'il y a deux ou trois élections à venir dans cette région et qui sont des élections à risque. Et donc, je crois que l'une des solutions serait déjà que les Africains eux-mêmes, que la communauté internationale qui les assiste, puisse aller directement vers les problèmes. Il y a déjà quelque chose qui interpelle dans le Global Index. C'est que, par exemple, les îles Maurice, qui sont le meilleur pays, qui sont le bon élève, ils ont un index de corruption de 56%. De 56. Leur index de corruption est de 56. Si vous allez au Sud-Soudan, qui ferme la marche en Afrique, l'indice de corruption est de 178. Donc, voilà quelque chose qu'il faudrait voir. Toute l'Afrique actuellement, aujourd'hui, il est sous la menace de ce que certains appellent, moi je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, le trois mandatisme. Donc, des constitutions qui sont revues, de la 4e on passe à la 5e ou 8e République pour pouvoir se dire qu'on efface le tableau. Même certains présidents qui arrivent à trouver qu'ils ne sont pas nés à l'année qui est écrite et que donc la révise, il y a ce problème de gouvernance, d'alternance à la tête des États africains. Il y a un problème de distribution de la richesse africaine. Et je crois que ce n'est pas le fait d'aller combattre Boko Haram ou de combattre Al-Qaïda. Il faudrait les empêcher de continuer de vivre. Et je crois que c'est là l'une des solutions, c'est de pouvoir avoir le courage de s'attaquer aux racines du mal et non pas aux symptômes. Merci beaucoup. En parlant donc de racines du mal, Madame Yad, vous parliez donc de la dégradation, en tout cas en mettant l'accent sur le multilatéralisme. On a vu dans le rapport une dégradation entre des relations entre les États-Unis et la Chine notamment. Comment voyez-vous donc des solutions potentielles internationales au service de la paix, avec un accent particulier là sur le multilatéralisme? Ah, votre micro, Madame Yann. Le multilatéralisme, c'est la paix. Et sans lui, c'est la paix qui est menacée. Inversement, avec le multilatéralisme, c'est la paix qui est promue. Et moi, ce que je voudrais donner à penser, c'est que si la crise du multilatéralisme est avérée, prouvée, commentée, discutée, connue, ce dernier renaît malgré tout en Afrique. C'est là où la dynamique multilatérale est la plus forte, paradoxalement. Il faut partir de la situation globale, parce que bon, l'index est global, et on sait très bien que l'Afrique n'est... on ne la laisse pas tranquille. Donc, les guerres qui s'y passent ne dépendent pas que d'elle. Donc, il faut partir de la crise universelle du multilatéralisme pour comprendre la réalité du monde, des guerres aujourd'hui. C'est Jean-Hervé Lorenzi qui expliquait que le multilatéralisme, en en donnant une définition précise, c'est l'un des principes fondateurs de notre modernité, issu de la pensée du XVIIIe siècle, qui érigea la paix entre les nations en rêve de l'humanité. Bon, au fond, ça nous rappelle effectivement la paix perpétuelle voulue par Kant, qui s'appuyait sur l'idée qu'il y a un pacte entre les États. C'est aussi, si on se base ici, je suis aux États-Unis, c'est le 14e point de Woodrow Wilson qui fonde la Société des Nations, la fameuse SDN. Donc, c'est une utopie, la paix. Et c'est un rêve universel d'humanité. Et c'est au fond c'est la démocratie appliquée aux relations internationales aussi. Et donc les grands philosophes,
européens, Grotius, Hobbes, Rousseau, Kant, se sont interrogés longtemps sur les moyens d'assurer la paix, et c'est après la guerre, finalement, la Première Guerre mondiale d'abord, que le président Wilson a d'abord défini son 14e point qui parlait d'accords entre États garantissant les mêmes droits, les mêmes obligations. Roosevelt, Truman vont faire la même chose avec un internationalisme très libéral, va inspirer la création des Nations Unies, en y engageant les États-Unis cette fois pour ne pas reproduire l'erreur d'associer les nations. Donc, tout ça va donner lieu à un véritable corpus, démocratie, économie de marché, organisation internationale. C'est le multilatéralisme tel que les Américains l'ont voulu. Et c'est ce qui va permettre effectivement de s'appliquer aussi sur le plan commercial avec le GATT, etc. Simplement, ce multilatéralisme a été vicié dès le départ. Parce qu'on sait qu'au cœur des Nations Unies, eh bien, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies avec certains États seulement et pas tout le monde. On sait aussi que les États eux-mêmes ont voulu garder le contrôle de la force légitime. Ils n'ont pas délégué la gestion des rapports de paix à des organismes multilatéraux. Ils en ont gardé le véritable pouvoir, ce qui explique d'ailleurs que certaines conventions internationales, pour certaines conventions internationales, certains États n'en soient pas partis. Et j'ajouterai que on pourrait dire qu'en se voulant universel, le multilatéralisme s'est avéré par moins occidental finalement, comme vous le savez, avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple. Aujourd'hui, cette crise se voit dans plein d'éléments. Vous l'avez dit, la guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis, sont le retrait des Américains de plusieurs organisations, climat, OMS, Conseil des droits de l'homme, la crise du cycle de Doha, en Europe, on peut parler du Brexit, les débats en Italie autour de Salvini, l'impuissance de l'ONU sur la crise syrienne, tout ça signe une instabilité mondiale et de plus en plus une volonté des États de ne pas régler les problèmes de manière, selon la manière classique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça ne veut pas dire, selon moi, ce n'est pas parce que le multilatéralisme tel qu'il a été pensé par les pays occidentaux est en crise, ce n'est pas parce qu'il est en crise dans leurs relations entre eux que le multilatéralisme a disparu. Je trouve au contraire qu'il renaît ailleurs avec la Chine, qui soutient de nouvelles instances, qui d'abord se bat pour être dans les instances intergouvernementales dont les Américains se sont retirés, vous le savez, mais aussi pour créer d'autres instances intergouvernementales comme l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple, d'une certaine manière. Et puis, au fond, le multilatéralisme, il est loin d'être mort, c'est son épicentre qui a bougé. Il n'est pas plus forcément aux Nations Unies que sèchent beaucoup de chefs d'État non occidentaux, mais il s'est déplacé à Pékin, mais aussi en Afrique. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que aujourd'hui en Afrique, on a une véritable. D'abord, c'est vrai qu'on a une certaine région qui se pacifie, alors qu'on était plutôt habitué à y voir des conflits meurtriers. Par ailleurs, il y a une volonté d'africaniser les solutions dans les pays en guerre, dans les régions en guerre. Regardez comment les chefs d'État congolais successifs mettent en cause la MONUSCO dans les conflits en RDC. Regardez comment, concernant le G5 Sahel, les chefs d'État demandent un soutien multilatéral qui tarde à venir. Ce qui se passe au Sahel ne concerne pas seulement le Sahel, mais le monde entier. Et donc, quand le président Soufou ne cesse de dire il faut que à la force conjointe, il y ait aussi dans la lutte contre le terrorisme le soutien multilatéral qui a du mal à venir, c'est significatif de quelque chose. Quand Paul Kagame va aux Nations Unies à l'Assemblée générale et dit nous avons confié à d'autres la responsabilité de notre futur, non pas par la force mais par défaut, ça signifie aussi que la représentation diplomatique de l'Union africaine aux Nations Unies est en deçà de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Et donc, il faudrait un poids et un statut équivalent aux autres organisations internationales. L'Afrique du Sud a déjà dit qu'elle voulait siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et donc, face à cette sous-représentation de l'Afrique dans les instances multilatérales, eh bien, l'Afrique, finalement, réinvente le multilatéralisme en son sein. Pas facile, hein. Pas facile parce que les Africains échangent peu entre eux. Si les Européens échangent entre eux à hauteur de plus de 80% au niveau commercial, j'entends, au niveau commercial, les États africains échangent peu, même pas 20% d'échanges entre les économies africaines. Donc, comment voulez-vous coopérer sur le plan de la paix? Comment voulez-vous mettre en place des organisations régionales? Pourtant, sur le papier, l'Afrique est la championne de l'intégration régionale avec une quinzaine de blocs régionaux, la dernière en date étant le plus grand marché de libre-échange au monde, c'est-à-dire la zone de libre-échange ZLECA, qui vient d'être lancée, avec plus d'1,5 milliard de personnes qui vont être concernées par cette zone-là. Mais vous voyez, l'africanisation du multilatéralisme, c'est le défi à venir pour répondre, et je vais m'arrêter là pour vous permettre de faire circuler la parole, pour répondre à la crise universelle du multilatéralisme. C'est une solution que je trouve intéressante. L'africanisation des solutions est aussi notre solution. Et je le dis non pas par panafricanisme ou parce que je suis né au Sénégal. Et je le dis sur le continent africain. Je le dis aussi parce que c'est dans l'intérêt du monde. Aujourd'hui, aucun problème du monde ne peut se régler en dehors de l'Afrique. La question des migrations, comment voulez-vous que la question des migrations des Africains soit résolue par d'autres que les Africains? Ça les concerne, ce sont leurs migrants quand même. Comment voulez-vous que la question du réchauffement climatique soit réglée en dehors des Africains, alors que l'autre poumon vert de la planète, c'est le bassin du Congo? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'on règle le problème de la dette globale sans régler le problème de la dette africaine? Je veux dire, tous ces problèmes-là ne sont pas des problèmes africains, sont des problèmes mondiaux dans un monde où, dans 20 ans, c'est-à-dire en 2050, un terrien sur quatre sera africain. Donc, vous n'aurez pas la paix dans le monde si vous n'avez pas la paix en Afrique, et vous aurez la paix dans le monde si vous faites renaître le multilatéralisme, et cette renaissance passe immanquablement par le continent africain. Merci beaucoup pour cette réponse très étoffée, Madame Yad. Il serait quand même impossible de parler du Global Peace Index sans parler du ecological threat, et particulièrement en Afrique. On a mentionné le Sahel. On sait que la dégradation environnementale a un impact direct sur les conflits armés dans cette région-là du monde. On parle de déplacement des populations également. Monsieur Bassou, vous aviez mentionné de neutraliser donc ces conflits-là. Comment aider les populations qui font face à cette dégradation environnementale qui, par conséquent, a un impact donc, sur cette question-là? Est-ce que, monsieur Aladi, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Je vous passe la parole, absolument. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais juste faire trois observations. D'abord, par rapport au multilatéralisme et la crise qui le traverse. Les Nations Unies ont été créées il y a 75 ans, justement, c'est pour prévaloir le multilatéralisme. Il est en crise, c'est vrai, mais même si je suis des Nations Unies, je suis de ceux qui ont toujours dit que les Nations Unies, quand elles ont été créées en 1945, il y avait une cinquantaine de pays. Aujourd'hui, il y en a 193. 70% des problèmes qui sont discutés au niveau du Conseil de sécurité, les conflits, concernent l'Afrique, mais l'Afrique est absente. Donc, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a été toujours posée par l'Union africaine, par beaucoup de pays africains, est une nécessité. Même si les turbulences du multilatéralisme ne s'arrêtent que pas à ça, mais il faut que la voix de l'Afrique puisse être entendue. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième, c'est par rapport à ce que les problèmes que soulevait Bassou.
C'est vrai que quand on voit l'indice, la majorité des pays, même si Serge appelait des pays plus pacifiques, pays moins pacifiques, je ne suis pas d'accord. Peut-être c'est une question de traduction de l'anglais au français. Je suis sûr que beaucoup de pays africains sont pacifiques. Mais la guerre n'est pas un choix. Les conflits ne sont pas un choix. Mais je comprends, je suis d'accord avec vous que l'indice donne cela. Et donc, si on veut aller aux racines du mal, pas les symptômes, moi je vois deux choses. Je crois que les interventions étrangères en Afrique sont un des éléments du conflit en Afrique. Si je prends aujourd'hui le conflit au Sahel dont on parle beaucoup, il faut dire qu'il a été exacerbé suite à ce qui s'est passé en 2011 en Libye. Personne ne peut l'ignorer, quel que soit le régime de Gaddafi, et je suis de ceux qui le connaissent mieux que beaucoup d'autres. Mais quand il a été assassiné, quand on a fait ce qui s'est fait en Libye, l'intervention de l'OTAN en Libye, l'Union africaine s'est opposée, mais personne n'a voulu écouter l'Union africaine. Beaucoup de voix africaines se sont levées, personne ne les a écoutées. Et après la crise libyenne, aujourd'hui le Sahel est devenu pratiquement un arsenal à ciel ouvert. Il y a près de 60 millions d'armes légères aujourd'hui qui circulent dans le Sahel. La crise au Mali, 80%, ce sont des gens qui étaient armés en Libye, qui avaient les armes, et l'OTAN, ou je ne sais pas, je m'excuse auprès de ma sœur Ramayad, c'était quand même, tout indique qu'il y a eu un accord pour laisser tous ces gens-là, armés, armes et bagages, sortir de la Libye pour aller se déverser au Sahel. Pour quelques-uns, c'était au Niger, d'autres sont venus au Mali. J'étais au Tchad, j'étais responsable au Tchad. Nous, on a fermé carrément nos frontières avec la Libye en 2011. Et ce qui a fait que malgré qu'on a 3 millions de Tchadiens en Libye, on était épargnés. Le Mali qui a ouvert ses frontières a vu déferler des milliers de combattants armés jusqu'aux dents et qui ont occupé pratiquement les deux tiers du Mali. Des terroristes se sont mêlés à cela et il y a cette guerre que nous poursuivons jusqu'à là. Et donc, il faudrait, à mon avis, quand on voit les conflits en Afrique, il faudrait aussi voir ses origines. Et tant que cet interventionnisme n'est pas arrêté, il risque de ne pas avoir de paix définitive en Afrique. Le troisième élément est endogène à l'Afrique. Je crois que ailleurs dans le monde, on dit que les élections sont faites pour résoudre des problèmes. En Afrique, les élections se font pour créer des problèmes. Parce que les règles de jeu ne sont pas bien établies, ne sont pas bien appliquées. Et quand tout à l'heure, je vois dans l'index un pays comme le Bénin, qui, jusqu'à une époque récente, était le quartier latin de l'Afrique, qui était considéré comme un des pays les plus pacifiques en Afrique. Pourquoi aujourd'hui il s'est rétrogradé? Tout simplement parce que, dernièrement, il y a eu des réformes. Ces réformes n'ont pas été inclusives. Elles excluaient beaucoup d'acteurs politiques de la scène politique, il y a eu des textes qui réduisaient le champ politique. Et donc souvent j'ai dit, il y a un conflit dans un pays quelque part quand il y a rupture de consensus au niveau interne. Rupture de consensus soit sur le partage des richesses, comme l'a dit tout à l'heure Bassi, rupture sur les règles de jeu politique, quand les élections sont truquées, les résultats ne sont pas acceptés, quand certains candidats sont exclus. Et tout à l'heure, Bassou parlait de la région
de l'Afrique de l'Ouest. Ne serait-ce que cette année, il y aura des élections en Côte d'Ivoire, il y aura des élections en Guinée, il y aura des élections au Burkina Faso, au Ghana, au Niger. Et toutes ces élections risquent de produire d'autres conflits dans des pays qui n'en connaissent pas. Tout simplement parce que les règles du jeu de la démocratie, le consensus interne n'est pas respecté, n'est pas obtenu. Je suis au Mali. Les Nations Unies ont intervenu au Mali parce qu'en 2012, il y a rupture de l'ordre constitutionnel. Il y a rupture de consensus. Donc, au niveau africain, c'est vrai, l'Union africaine a pris beaucoup de textes qui sanctionnent les pays. La CEDEAO a pris beaucoup de textes qui sanctionnent les pays, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut ancrer la démocratie. Il faut s'approprier la démocratie. Malheureusement, les populations africaines en majorité illettrées ne sont pas encore capables de s'approprier ces règles de jeu. Mais dans tous les cas, j'ai dit tout simplement, vaut mieux une mauvaise démocratie que pas de démocratie. La démocratie est une quête, à mon avis, qu'il faut revendiquer, qu'il faut améliorer et qu'il faut tout simplement l'adapter. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, dans l'indice aussi, je le vois, quand vous avez parlé de 14 milliards, aujourd'hui, au niveau du Sahel, dans tous les budgets nationaux, près de 25 à 30% des budgets sont consacrés pour le secteur de sécurité. Alors qu'ailleurs, ça doit être consacré pour l'éducation, pour la santé, pour d'autres choses. Ça aussi, ça fait partie des problèmes. Donc, ce que je voulais dire, il y a des causes extérieures, c'est sûr, mais il y a des causes endogènes que nous, Africains également, nous devons nous regarder en face et dire que tant qu'on n'a pas fait des règles de jeu inclusives, des règles de jeu qui nous amènent à des élections crédibles, transparentes, où les résultats peuvent être acceptés. Il y a des exemples. Au niveau de la SADC aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont commencé à avoir un standard uniformisé qui fait que dès 20h, dès 21h, dès 23h, le candidat battu peut appeler l'autre et le féliciter. Même s'il y a des exceptions, le Malawi dernièrement en a connu quelques exemples, mais dans d'autres coins, c'est toujours des conflits issus des élections et donc nous avons un travail à faire à ce niveau-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nadif. Je pense que maintenant, on va passer à la période de questions. Il y a plusieurs questions qui sont rentrées. Cela nous permet... Je crois que j'avais à répondre... Juste un mot, est-ce que... Je crois que oui. J'avais à répondre à l'une de vos questions, non? Oui, tout à fait. Non, s'il n'y a pas de temps, là, pas de temps. Avec le temps... Pas de problème. Je pense qu'il y a une petite déception, mais peut-être qu'on peut, pas passer de déception, un plat. Non. Oui? Pas de déception, non, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Okay. Parfait. On passera donc à la période de questions qui va vous donner la parole. Il y a une toute première question qui vient de rentrer. Vous me permettrez donc de la lire. La confiance dans les institutions publiques est de plus en plus érodé dans des endroits où les gens ont le sentiment que les autorités n'ont pas traité la pandémie efficacement. On parle quand même de COVID-19 en ce moment. Alors, au fur et à mesure que les populations les plus vulnérables, les plus vulnérabilités préexistantes s'accentuent, s'enracinent, on parle de potentiel d'instabilité, de la violence qui ne fait qu'augmenter. Est-ce que l'indice global sur la paix prend en considération la question de la confiance donc, dans les institutions? Qui doit répondre? Peut-être, M. Stroubin, étant donné que c'est vous qui avez fait la présentation sur... Oui, je vais très court, très court. Alors, je voudrais remercier les autres panélistes d'avoir répondu.
Je trouve que Mme Yal avait tout à fait raison. On a pris les dividendes de la paix, mais on a oublié d'investir avec ces dividendes dans la paix future. Et on a pris ça comme un acquis. J'ai 30 ans de carrière militaire derrière moi. Pour moi, je fais le même travail maintenant, mais sous un autre angle, parce que je n'ai pas vu vraiment de succès dans les 30 dernières années au niveau de gestion de crise sécuritaire. Et citer Francis Fukuyama est toujours un point positif. Pour M. Bassou, tous les éléments que vous avez montrés sont en fait des piliers de paix positive. Vous savez, ce concept qu'on a déployé pour dire mais comment est-ce qu'on crée des sociétés qui sont équitables, justes, inclusives et qui vont créer la paix et la développer. Vous avez parlé de gouvernance, vous avez parlé de corruption, vous avez parlé de distribution équitable des ressources, de développement du capital humain, vous avez parlé de bonnes relations avec vos voisins qui sont 6 des 8 piliers de ce concept de paix positive. Maintenant, pour venir à la question, oui, on en tient compte. Donc, on regarde effectivement quelle est la confiance des populations dans leur gouvernement. On fait cette analyse de gouvernance, peut-être plus au niveau de l'index de paix positive et pas autant au niveau de l'index global de la paix. Donc, ce ne sont pas dans les indicateurs, mais on en tient compte. On en tient compte quand on forme l'index. Et par exemple, on voit certains résultats qui sortent de cet index qui vont dire que le taux de confiance dans les résultats d'élection, par exemple, pour revenir à un thème dont on vient de parler, augmente en fonction des niveaux de paix positif. Donc, plus votre niveau de paix positif est haut, plus vous allez avoir confiance dans les résultats d'élection, et donc, en fait, plus vous allez avoir confiance dans les gouvernements qui prennent ça en compte. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'effectivement, pas mal de griefs socio-économiques mènent à certaines tensions civiles et mènent à un impact systémique sur ces gouvernements et sur ces sociétés. Et ces griefs-là existaient, ce qui a créé cette augmentation des tensions civiles pendant la dernière décennie. Covid-19 vient mettre la loupe dessus, vient effectivement exacerber ces tensions et ces griefs socio-économiques et va créer plus de déstabilisation vers l'avenir. Ce qu'on a aussi vu, c'est le dernier point pour la question, c'est que les niveaux de paix sont influencés par les système politique. Et donc, vous avez très bien dit que la démocratie est effectivement le système qui met en place une approche la plus pacifique possible. Donc, on voit des pays, des démocraties libérales, comme j'avais parlé dans la présentation, qui se retrouvent sur le dessus du panier au niveau de l'index. On se rend effectivement compte que l'Europe est la région la plus pacifique. Et quand on va voir dans le détail de l'Europe, on se rend compte que ce sont d'abord les pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, ce multilatéralisme qui crée la paix, suivi par les pays européens qui n'en font pas partie. Et dans le panier européen, on retrouve la Turquie qui, elle, est tout à fait en bas au niveau de l'indice de paix pour l'Europe. Et on se rend compte qu'effectivement, ces niveaux de paix diminuent, plus la démocratie diminue, et les régimes autocratiques, eux, vont effectivement générer à terme une descente, une diminution assez claire des niveaux de paix et va mener à terme à une déstabilisation. Je pense qu'on a l'exemple en Biélorussie pour l'instant, ici en Europe. Et pour revenir sur un dernier point avant de passer la parole, on a effectivement ce problème de traduction. Donc, quand je parle de pays les plus pacifiques, je parle de niveau de paix et de niveau de paix différent. C'est vrai que beaucoup de pays ont cette volonté pacifique, mais la région dans laquelle ils se trouvent ou les facteurs exogènes, endogènes ne permettent pas de la déployer. Merci beaucoup. Il y a en effet une autre question qui vous est destinée, donc de la part des gens qui sont là. Donc en une minute, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, toujours Monsieur Strubintz. Alors la paix, on le sait, est souvent liée au nexus sécurité développement. Est-ce que cette interdépendance facilite ou complique la question de l'index? Tout à fait raison. Et donc, on peut même dire, je crois que c'est Kofi Annan qui a dit pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, on se rend effectivement compte, là, vous êtes vraiment à l'intersection entre cette paix négative et cette paix positive. Comment est-ce qu'on peut commencer à créer la paix? Je pense que, et c'est aussi une critique qui a déjà transpiré dans ce que plusieurs autres panélistes ont dit, il faut aussi voir ce qu'on entend par développement. Et combien de ce développement est en effet profitable aux pays africains ou aux pays qui est disons développé ou qui reçoit l'aide. Je pense qu'il faut faire je pense que les investissements qui doivent être faits doivent être maintenus, doivent être augmentés dans certaines zones bien spécifiques, comme l'exemple du changement climatique que j'ai donné. Mais il faut que le but final de ce développement suive un processus. Et c'est là que, par exemple, nous, comme institut, prenons cette approche systémique de la paix. Donc, cet investissement dans les 8 piliers différents
qui, quand ils sont faits de manière coordonnée, créent une transformation et créent des bénéfices économiques, sociaux, gouvernementaux, écologiques. Juste pour vous dire un chiffre, une augmentation d'1% du niveau de taux positif équivaut, c'est chiffré, donc quand vous avez des chiffres, vous comprenez, 1% d'augmentation de taux positif, c'est 3% d'augmentation du produit national brut, mais c'est aussi une augmentation de cette sensation de ce qu'on appelle en anglais « well-being » et donc se sentir bien dans la société. Ça a une augmentation de la gouvernance, ça a une augmentation de la résilience écologique par rapport aux menaces dont j'ai parlé avant. Donc, un investissement dans la paix positive, va vous amener effectivement ce bonus positif. Merci. Oui, Monsieur Bassou, allez-y. Oui, juste sur cette question de développement et de sécurité, c'est justement l'une des contradictions qu'on relève pour l'Afrique. Les deux plus grands PIB de l'Afrique sont, je crois, 123e et 147e au niveau du Global Peace Index. Donc, et justement, même pour continuer au niveau PIB, c'est le 9e PIB qui se trouve parmi les 3 ou 4 premiers Africains en termes de stabilité ou de quiétude. Si on traduit « peaceful », n'est-ce pas, « quiétude ». Et donc, je ne sais pas, au niveau de l'Afrique, il y a cette contradiction. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on ait un PIB élevé qui peut faire qu'on est vraiment sécurisé ou stable. D'ailleurs, le top 10 de PIB africain se trouve vraiment mal classé en ce qui concerne le Global Index de paix. Entre... Merci, M. Bassou. Madame Yad, si vous êtes, je sais que vous en avez parlé déjà, de multilatéralisme, d'échanges commerciaux, donc ce lien entre sécurité et développement. Oui, je voulais, préalable, juste ajouter un élément par rapport à l'intervention de notre ami Mohamed Saleh Anadif tout à l'heure, concernant la Libye, qui m'a interpellé là-dessus. Vous n'excusez pas, moi, je n'ai jamais été favorable personnellement à l'intervention en Libye. Hein. Je n'ai jamais dit autre chose que ça. Et je vous dirais aussi, j'ajouterais aussi que cet appel que vous exprimez d'un refus des interventions et des ingérences étrangères, je me joins à votre appel. Mais à la limite, bon, ce n'est pas une question de faire des appels ou que les États africains demandent à ce qu'on ne se mêle pas de leur pays. C'est une question de rapport de force, soyons pas naïfs. Vous savez très bien que les relations entre États ne sont pas basées sur des questions humanitaires, encore moins de morale. Malheureusement, c'est ainsi depuis l'aube des temps. Il y a l'idéal, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que les États, entre eux, ont des relations fondées sur le rapport de force, même sur le plan économique, y compris sur le plan de la diversité culturelle, tous ces sujets dont je parlais tout à l'heure, y compris sur le plan climat, y compris sur le plan numérique. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. L'Afrique sera entendue, ou les États africains seront entendus sur la question des ingérences, le jour où ils seront en capacité de peser suffisamment sur la scène internationale pour imposer leur point de vue. Et vous le savez parfaitement. Donc, il va falloir qu'on arrête un peu de demander, mais qu'à un moment donné, ce rapport de force joue. Et l'Afrique a les moyens. C'est un continent stratégique. L'Afrique a les moyens de peser sur la scène internationale. C'est ça que, personnellement, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure sur le plan démographique, parce que la démographie, c'est stratégique. L'Afrique, ce sera un terrien sur quatre demain. Ce sera le géant démographique du monde. En général, quand on est un géant démographique, ça annonce un géant économique. La BAD fait déjà des rapports pour parler de 500 millions de personnes qui vont constituer une classe moyenne. Les Kenyans payent avec leurs cartes, avec leurs smartphones, leurs achats quotidiens à 80%. On n'est que 2% à le faire dans le monde. Le continent africain est un continent stratégique aussi sur le plan de ses ressources. Et ça, on le sait très bien. Le rapport Arcadia de Policy Center for New South le dit systématiquement sur la question des minerais, sur la question des ressources de toutes sortes d'ailleurs. Les réserves en eau sont principalement en Afrique. Les terres arables
60% des terres cultivables se trouvent sur le continent africain. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la Chine est à ce point offensive sur le continent chinois. Tout ça est absolument stratégique et devrait donner aux États africains les moyens de peser sur la marche du monde et d'abord sur leur destin à eux. Et la question est, pourquoi ce rapport de force n'est pas joué par les États africains pour obtenir ce qu'ils veulent ou ce qui sort leurs intérêts? Et pourquoi toujours invoquer une démarche de type morale humanitaire alors qu'on sait très bien, hélas, c'est une militante des droits de l'homme et de la paix qui vous le dit, les rapports entre les États sont encore, hélas, des rapports de force. Donc moi, ce que je voudrais, c'est inviter, parce que je suis très préoccupée et soucieuse du continent africain, son destin ne m'est absolument pas étranger. C'est que ce continent épouse le destin qu'il mérite et qui est le sien, et qu'il soit nécessairement brillant à la hauteur de ce qu'il a été. Et donc pour cela, effectivement, il faut effectivement des régimes qui soient à la hauteur. Et vous l'avez très bien dit, Winston Churchill l'a dit à sa manière, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais des systèmes. Donc il faut, parce qu'un régime autoritaire n'est pas forcément bon ou mauvais, un régime démocratique n'est pas forcément, c'est pas la question, la question n'est pas là. La question, c'est de surmonter la faiblesse des États, finalement, et de leur permettre de peser suffisamment. En tout cas, moi, c'est ma conviction, parce que les sociétés civiles, elles, en Afrique, se réveillent, elles sont actrices du changement. Et donc, maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait une correspondance entre cette société civile en mouvement et qu'il y ait aussi des régimes politiques qui soient également en mouvement et en capacité de peser suffisamment pour décider du destin des Africains. Merci. Merci beaucoup à tout le monde donc, pour cette conversation très édifiante. En ce moment, nous avons M. Rachid El Oudeghi qui vient de se joindre à nous. Il est un senior fellow au Policy Center for the New South pour nous donner quelques mots de clôture. Merci à vous. Bonjour à mesdames, messieurs. J'ai effectivement le plaisir de clôturer la session spéciale sur la COVID-19 et ses implications en Afrique. Je voudrais remercier aussi bien les intervenants que les participants. Ça m'a permis d'avoir un débat riche et diversifié et des fois controversé sur la question. Et ce débat fructueux montre essentiellement, d'abord montre les étapes que nous avons franchies au sein du Policy Center, et aussi le chemin qui reste à parcourir pour arriver pour une bonne connaissance des enjeux sécuritaires africains et pour une meilleure synergie des points de vue. Je rappelle que les trois précédentes sessions, 2017, 2018 et 2019, ont contribué à la création d'une communauté d'intérêt de chercheurs qui se trouve aujourd'hui, depuis plutôt mercredi, autour d'un débat sur les questions sécuritaires, particulièrement l'impact de COVID-19. Et avec une conviction qui est la nôtre, c'est que cette crise sanitaire peut servir de déclic pour une mutation durable du paradigme sécuritaire en Afrique vers plus de sécurité humaine, comme a été mentionné tout au long de ces trois jours. Alors, c'est bien là l'idée maîtresse de notre conférence, qui a été discutée à partir de prismes et de lectures différentes. Alors l'exercice est d'autant plus intéressant que complexe, parce que, comme vous le savez, l'analyse des sciences sociales et l'analyse des enjeux de développement et des enjeux sécuritaires en Afrique font toujours face à un véritable problème structurel, c'est celui de la différence ou le différentiel qui existe entre les moyens matériels et les capacités des États à faire face à des crises à voies multiples. Alors, permettez-moi de passer en revue quelques conclusions
points soulevés par la conférence. D'abord, la conférence a porté un regard innovant et prospectif sur le renforcement de la sécurité humaine. C'est un point sur lequel il y a un consensus général. Hein. Mais à partir quand même d'une analyse de la situation, de la conjoncture, les mesures adoptées par les États face à la crise du Covid-19, les implications géopolitiques et sécuritaires de la crise, et la question des politiques publiques, et particulièrement politiques publiques sécuritaires et sanitaires. Alors, c'est un schéma de pensée qui doit prendre en compte et qui a pris en compte les spécificités à la fois nationales, régionales, même locales et continentales de l'Afrique. Et à partir de là, on arrive à identifier un certain nombre de pistes de réflexion et, par exemple, les éléments ou les acquis à consolider et les trajectoires à corriger. Je retiens également du débat l'idée que la crise ou la COVID-19 intervient d'abord comme un accélérateur d'une réalité structurelle, celle de l'insécurité humaine. La pandémie n'est pas seulement un problème de santé, les implications sont également socio-économiques, politiques et sécuritaires. Par exemple, sur le plan économique, la baisse des revenus et la difficulté d'accès également aux services de base créent des situations de frustration qui peuvent se traduire par des troubles sociaux. Deuxième élément, cette crise profite aux acteurs infra-étatiques qui capitalisent sur la pandémie pour multiplier leurs activités. Et cette évolution pose la question cruciale de la capacité, encore une fois, de certains États à faire face à un contexte d'insécurité multiple. Enfin, cette crise révèle, de mon point de vue, que la gestion des crises souffre dans certains cas, dans un certain nombre de pays, de lacunes, voire même de défauts de conception. Et des fois, ce qui nous amène à nous interroger l'efficacité de certains plans internationaux lorsqu'on les transpose à des réalités africaines tout à fait différentes. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais remercier les intervenants, les membres du panel, les participants et l'équipe aussi du Police Center, ainsi que les traducteurs. Leur présence a été inestimable et on apprécie grandement le soutien de chacun et la contribution des intervenants au débat sur la question sur la COVID-19 et sur la sécurité en Afrique. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur El Oudegui, pour ces propos. J'aimerais remercier Madame Ramayad, Monsieur Abdelhak Bassou, Monsieur Serge Trouvant et très certainement Monsieur Mohamed Saleh Anadif pour votre présence et pour cette conversation extrêmement édifiante. Merci beaucoup à nos participants et on espère l'an prochain qu'on se reverra donc en personne plutôt que virtuellement. Merci beaucoup et bonne journée dans vos coins du monde.